Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce premier épisode de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Nous sommes sur la version Wii U, originalement sortie en 2014, soit il y a 8 ans, tout simplement. Ça fait beaucoup. Donc je ne désespère pas pour une sortie en 2023 d'un prochain Donkey Kong Country, mais étant donné que c'est Retro Studio qui a bossé sur le Return, ce que nous venons de faire, et le Tropical Freeze que nous allons faire, et que ça fait 8 ans qu'on n'en a pas eu, et qu'ils sont en train de travailler sur un certain Metroid Prime 4, je me demande quand même ce qu'ils ont foutu pendant 2014-2019. Voilà. Alors certes, ils ont fait le portage de la version Switch de ce Tropical Freeze, mais ça prend pas 5 ans. Donc je ne sais pas trop. Probablement peut-être le début d'un nouveau Donkey Kong, et c'est Nintendo qui a repris le relais, je ne sais pas. En tout cas, nous allons effacer ce niveau-là. Paf. Effacer la partie 2, tout à fait. Et nous allons recommencer une nouvelle partie. Tintin. Alors là aussi, alors par contre là c'est 120%, j'ai pas fait les 187 je crois qu'on avait. Télévision, appuyer sur 1 et il n'y a pas d'autres joueurs. Oui, on joue à un joueur. Blablabla, on s'en fout. Voilà, donc nous allons faire pareil, ce Donkey Kong Country Tropical Freeze. Je suis toujours, alors cette fois on est en mars, on est le 1er mars. On va voir la cinématique qui est en HD, ça fait du bien. On n'a pas... ça ne pique pas les yeux. Papa là, papa pa. Mais ce ne sont plus les tiki, mais ce sont les vikings du navire pirate gelé. Ah ah, terre en vue, l'île Donkey Kong. La corne magique. Enfin, le corps magique plutôt. Il se la joue Lich King, le gars. Alors les musiques du jeu. Sont incroyables. De toute façon, Tropical Freeze est généralement mieux que Returns, qui était déjà incroyable. Vraiment génialissime. Et j'aimerais bien l'avoir à nouveau. Et on reconnaît l'île de Donkey Kong avec l'usine du premier jeu. Ils ont un petit peu transformé l'île, comme on dit. Parfait. Pam, pam, la, tin, tin. Alors, il va falloir que je me réhabitue un petit peu des contrôles parce que là, il y a pas, c'est pas la Wiimote. Mais a priori, c'est juste avec les boutons, donc ça change pas grand chose. Tin, la, la, la. Pam, pam, pam. Donc, Kika. Et là, le jeu est quand même vachement plus sympa, enfin vachement plus joli. Parce que, ben, on voit, vous avez la fourrure sur le Donkey Kong, quoi. Le jeu date de 2014, donc imaginez ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, quoi. Nintendo, sortez un Donkey Kong en plus, et on arrive direct dans la flotte. Avec l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, contrôle sous la flotte, à mon sens. Parce que c'est très fluide, mais en même temps, c'est assez réaliste, quoi. J'aime beaucoup. Alors que je déteste les niveaux sous la flotte habituellement.
Alors on va essayer de récupérer quand même des pièces bananes, mais les pièces puzzle, on va faire comme dans Returns. On va s'en battre les steaks. Par contre les lettres Kong, on va les récupérer. Parce que je crois que ça débloque les niveaux K pareil. Hein. Tata. Paf. Ok. Tapapa. Hop. Nouvelle mécanique. De se décasser, de tirer. Enfin, de se casser, n'importe quoi. DKCT. Voilà. DKCTF. Paf, la pièce puzzle. Hop, le petit cochon de retour. Aïe. Alors, j'ai dit qu'on s'en foutait, mais. Ah, Diddy Kong. Alors, on peut changer normalement. On a des d'autres. On a le Diddy Kong qui a toujours ça. Mais on a aussi du coup Cranky Kong et Dixie Kong. Qui ont chacun des pouvoirs différents. Et je crois que Dixie Kong est complètement craqué. Parce que ouais, je crois qu'elle est claquée parce que sous la flotte elle peut nous propulser à l'infini. Ah ah! Ah bah attendez quoi? Non, ça marche pas, ok. Ok, si. Alors, j'avais déjà, je pense, dans les réglages, enlevé quelques. Enfin, le bruit des bruitages. Parce que je trouve qu'on entend mieux la musique que le reste et c'est cool. Parce que c'est ce que je veux. Voilà, donc on va se faire ce Tropical Freeze aussi cet été, du coup. Enfin. Comme je le disais, moi je suis... Tout a déjà été tourné normalement. En tout cas, il y a des nouveaux jeux de caméra comme cela. Et ça, c'est quand même assez sympathique parce que ça donne de la profondeur dans les niveaux. Et c'est cool. Voilà. Paf. Ça donne de la profondeur dans les niveaux et on adore ça. Alors là, il y a que Diddy Kong, ok, pour le moment. Hop. Merde. Ah c'est vrai qu'on peut faire les... Hop. Hop, on prend les bananes. Merci. Whip, whip. Ok, donc là on est dans le pays des morses, hein. Mais du coup c'est en ça que je disais que c'était pas... Ah, attendez. Comment je fais? Ah voilà, c'est ça, je m'envoie-t-je comme ça, paf. Hop. Alors là du coup si je fais ZR, paf. Pain. Avec les deux ça me donne des ballons, voilà. Et avec chacun, ça donne des autres choses. Je crois que Dixie, ça doit être des pièces bananes. Non, c'est Cranky, les pièces bananes. Et Dixie Kong, ça doit être quoi? Qu'est-ce que c'est, Dixie? Je sais plus. Paf. Hop. En tout cas, on a gardé ça. Et on a gardé le fait de gagner que des petites bananes. Hein. Que des grappes. Un pain, là, là. Ok. Donc je vais essayer de terminer le jeu également pour ce là, pour qu'on puisse cet été, que vous puissiez cet été avoir les deux jeux dans la série, parce que Donkey Kong Returns a été plus rapide que je pensais qu'il ne serait. Bon, par contre les temps de chargement sont plus longs et ça c'est un peu chiant, mais bon, le jeu est plus joli donc on accepte. Et puis du coup j'essaierai de vous proposer les deux. J'avais prévu que de faire Donkey Kong Returns à la base, mais vu que ça ne fait que 11 épisodes, je me suis dit, je vais quand même faire. Enfin, ça fait un peu lèche comme pour une série spéciale été. 11 épisodes, j'en fais quoi? J'en fais un par semaine presque. Donc, on va essayer de faire au moins plus, quoi. 3 par semaine, 4 par semaine, ça serait cool. Donc, on va voir combien de temps ça nous prendra de faire ce Returns. Hop, comme d'hab, hein, la pièce, celle-là, on la prend, elle est gratuite. Paf. Hop, alors on peut aller dans la flotte, hein.
Ça, faut pas oublier. C'était synonyme de mort dans Returns, mais là, non. Hop. Ok, on va speed up un petit peu. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des lettres sous l'eau? Je suis pas certain, ça. Il peut y avoir des pièces de puzzle, comme on vient de le voir. Mais je crois pas qu'on puisse aller sous l'eau. Je crois pas qu'il puisse y avoir des pièces. Ou en tout cas, pas dans ce niveau-là. Parce que je pense que dans les niveaux aquatiques, ça doit être possible, mais... à voir. En tout cas, là, on a Dixie Kong. Et on dit au revoir à Diddy Kong. Et vous voyez, on a... Hop, chap. Elle nous fait nous planer un petit peu. Et également... Donc en fait, c'est Diddy Kong en mieux, parce que on plane, mais en plus, on prend de la hauteur. Donc basiquement, on n'a aucune raison de... Hop. De préférer Diddy Kong. Mais bon, on préfère Diddy Kong parce qu'il est Diddy Kong, quoi. Non, en vrai, Dixie Kong, c'est la plus forte. Cranky Kong, je sais que dans les speedruns, dans les versions un petit peu accélérées du jeu, parce qu'à l'époque, j'en avais regardé quelques-uns, il me semble, quelques niveaux, que c'était avec Cranky Kong là, dans certains niveaux, parce que il nous permet de rebondir sur les pics. Hop, paf. On va aller sous l'eau pour voir. Mais je sais que voilà, elle peut nous... Elle peut carburer, je crois. Ah merde. Là, il y a un truc. Merci pour le cœur. Ah mais zut. Hop, t'as pas un cœur là? Non, il y a une pièce banane, ok. Ah, oh, tu veux pas me donner de cœur? Bon, très bien. Mais je croyais qu'elle pouvait... Ah voilà. En faisant A comme ça, elle peut aller speeder. Ce n'est pas le cas des autres. Ah bah si. Voilà, ma réponse est là. Ça me paraissait étonnant aussi, mais... Alors, voyez... Les versions... Breath of the Wild. Sous l'eau. Aussi, ça serait incroyable. Hein. Ça, c'est un truc qu'ils peuvent rajouter dans Breath of the Wild 2. Et ce serait un ajout logique. Et ça rajouterait vraiment de la densité dans le jeu. Et franchement, ben ça serait cool, quoi. Et dans Xenoblade Chronicles 3, on voit qu'on a des véhicules et tout. Ça m'intrigue beaucoup. Je vous parle de ça, mais en fait, ça se trouve... ben vous aurez déjà eu les annonces, puisque le 3 sera passé. Donc ça se trouve, on aura déjà eu une présentation comme quoi on peut aller sous l'eau. Ou pas. Et vous rigolerez ou vous pleurerez en disant lol. Allez sous l'eau. Il fait quoi lui, des pièces bananes? Non, des cœurs. C'est vrai, c'est des cœurs supplémentaires. Ce qui est très pété aussi. Ah. Voilà, c'est ça. Cranky Kong, c'est les pièces bananes, je crois. Hop. Tintintintin. Ok. Je crois pas qu'on meurt hein, si on va dans la flotte. Hein. Voilà. Hop. Enfin, je savais qu'on n'y allait pas, mais je voulais vérifier. A priori. Donc ouais, c'est ça qui est drôle. C'est que moi, je ne sais pas au moment où je tourne la vidéo. Mais vous savez si on peut dans Breath of the Wild 2... parce que c'est clair qu'à l'E3, il y aura eu le trailer. Enfin, des infos en tout cas, donc je peux m'avancer, mais je ne sais pas, ça se trouve on n'en aurait pas eu, mais là ça sera vraiment la loose, et je suis en train de remuer un couteau dans la plaie qui ferait très mal, mais non, on va pas commencer à penser comme ça. Bon, a priori là on devrait avoir Cranky Kong, là c'est pour nous montrer un peu les trois persos je pense. Hop, un petit peu toutes les mécaniques de jeu, on est dans le monde tutoriel. Ah ah! Oh, des pièces bananes partout! Pain! Pain, pain, palin, pain! Ta la ta ta la! Ta ta la ta! Ta 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 la ta!
Ta 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 la. Ta 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 ta. Ta la ta ta la. Les musiques du jeu par contre sont un niveau au-dessus, je trouve, par rapport à DKCR qui était déjà incroyable. Ah le K. Viens là. Voilà, ça c'est un écran qui congle. Paf. Et on peut faire des petits sauts comme ça. Paf paf palala palala paf. Et en plus de ça, on ne prend pas de dégâts sur les pics. Paf. Paf. Donc c'est sûr que en termes de possibilités de jeu. Ah bah merde. Ah mais qu'est-ce que je fais? Oh non, Cranky, reviens! Voilà, je suis en train de choke complet. Ok, yes. Il va me donner des difficultés. Hop. Hop, hop, là. Ok, merci. Alors on peut y aller qu'avec Cranky. Paf. On va aller là. Je sais que l'autre c'est probablement un bait. Enfin un bait. Pour une pièce puzzle ou quoi. On s'en fout. Ça fait quoi ça? C'est les pièces bananes hein, je crois. Ouais c'est ça. Voilà, donc, parce que lui c'est le... Il veut récupérer les pièces bananes de... Ta ta ta. Du, 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 du. Par contre j'ai quand même l'impression d'avoir loupé des... Ok. Des lettres, non. Ouais j'ai loupé le haut, non. Ah non je l'avais, ok. Mais merde j'ai loupé, bon on va juste buter. Un cœur, ça c'est cool. Paf, 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 paf. Paf. Ta 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 la ta ta la ta la ta. Ta la ta la ta. Hop. Alors là, va falloir que je m'accroche. Je ne sais plus lequel c'est pour s'accrocher. Alors j'ai fait les Y et le Z. Ta-la-la-la-la. Il y a une sortie secrète dans ce niveau, je crois. Ah, c'est ça. Le bon remix sous vinyle de Tropical Return, de Donkey Kong Return. Pa pa pa, pa la la la, pa la la, pa la la la. Alors il va falloir refaire ce niveau, hein. On va être au courant du coup. Parce que la sortie secrète, c'est... Il n'y a plus les clés. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de petit cadenas. Mais c'est des sorties secrètes. Hop. Ce qui fait que nous allons devoir refaire ce niveau. Pour avoir la sortie normale. Pimpin 1B, marécage et fuselage. Et d'ailleurs, il y a une sortie secrète aussi ici, non? Que j'ai loupé. Ta la ta la ta la ta. Et là c'est Funky Kong. Et dans la version Wii, la version Switch, on peut jouer Funky Kong du coup. Pim 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 pim. Et oh, ça fait un bail, on m'aurait pas un peu oublié. Même le bazar ambulant Funky Style, j'ai tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. Rien de tel qu'un bon vieux ballon rouge pour se sentir revivre. Marre de tomber dans le vide, j'ai l'impression d'être au fond du trou, sous l'envers te remontera le moral. Ce nouveau modèle, le ballon bleu, t'es dans un second souffle sous l'eau. Sommet d'où il y a pas si longtemps, je sais pas exactement quoi il sert, mais il a l'air d'accepter les pièces. Là on a Tono Cranky, Tono Dixie, Tono Didi. On a les Squawks, on a un bouclier pour protéger ton véhicule, rien de tel qu'un bon anti-choc. Ce jus, un truc de fou, un régal sans égal, un secret de fabrication bien gardé.
Et un cœur, tu devrais pas trop résister à ton appareil. Voilà. Donc il y a un peu plus dans la boutique. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à passer. Et n'oubliez pas que le temps travaille. Le travail aussi, c'est un... Bon, bref. Je n'ai pas la sortie secrète, là, du coup. Ha! Ha ha ha! Après, c'est peut-être le niveau K, mais je pense pas. Il serait pas affiché comme ça. Le niveau K, c'est plus la petite plateforme en dessous. Bah en plus, c'est le B, donc c'est clair qu'il y a un A, là. On va faire le, on va faire les niveaux comme ça, et puis on fera les niveaux secrets plus tard. On s'en occupera plus tard. On va refaire le niveau comme ça, rapidos. En mode va vite. Pin, pin, pin. Pou, pou, pou. Hop. Ok, c'est les gâchettes. Les merdes. Pourtant, j'étais bien. Ah, saloperie! Papa la papa papa pa, la 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 la. Papa. Ça, c'est un cœur, je crois. Non. Rip. Ok, on perd juste les bananes, ça ne change rien. Paf, 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 pa, la paf, paf, paf. Vous comprenez pourquoi les speedrunners, ils l'utilisent L24? Tu peux tellement speeder. Ah merde. Hop, 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 hop. Bon, d'accord. Oh merde. Est-ce que tu gardes le momentum? Et merde. Notre première mort. Bon, c'est de ma faute, hein. Je suis allé un peu vite. Et comme j'ai pas Diddy Kong, je ne peux pas... Ta-da-ta-ta. Ajuster mon saut. Ta-ta-ta-ta-ta-la-la-la-la-la. Ok. Tain! La la pap, pa la la la, pa la 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 la, pa la la la. Et j'ai dit de la merde, les niveaux bleus, là, les lettres bleues, je crois que c'est... Alors ça doit être dans celui-là aussi, mais je crois... Non, ça doit être dans celui-là, mais il me semblait que c'était aussi peut-être sur le... le remake 3DS de Returns. Mais de toute façon, je crois que c'est dans celui-là, hein. Les lettres bleues. Mais je sais pas ce qu'on obtient quand on a toutes les lettres Kong bleues, parce que je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fini. De toute façon, je n'aurais pas fini parce que le mode miroir, il est juste hardcore de fou, quoi. Parce que c'est pareil, hein, c'est pas d'objet, pas d'allié. Ok, on va prendre Diddy Kong. Sachant quand on joue à deux joueurs, les tonneaux comme ça, ils tournent et on peut choisir lequel on prend. Là, c'est un wagon, voilà ça. Les niveaux wagons, ils ont pris aussi... wagons et fusées, ils ont pris tellement de... en qualité. Ne serait-ce que pour la... Vous allez le voir, hein. Les prises de vue qui changent. Vu qu'on joue en 3D. Ouais, on est dans un environnement un peu en 3D quand même. C'est un side-scroller, mais là, vous allez voir. Hop. Il y a des fois, c'est même vraiment, vraiment intéressant. Hop. Hop. Vous voyez, hop. Ça donne du dynamisme. Ça change la perspective. Et je trouve ça super cool. Donc gardez ça pour le prochain. Mais dites-moi qu'il y en a un. Dites-moi qu'il y en a un. Hop. Ça, le plus important. Paf. Et voyez, on a deux cœurs sur le wagon. Donc on a le droit de se prendre un dégât. Contrairement à l'autre. Donc ça, c'est plus cool. Hop.
Par contre, si on tombe, c'est toujours la mort. Hein. Paf, paf, la paf. Cinématique dans le dans le niveau en lui-même, j'adore. Ta la ta ta. Ta la 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 la. N'oublie pas qu'on peut aller dans la flotte. Ta 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 ta. Et ça, ils ont bien ils ont bien joué avec. Mais on s'en fout des pièces banales, des pièces puzzle. Pa la 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 pa 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 la la. Ça lag. Le temps de menu, le menu de chargement qui rame. Ça c'est, ça m'a toujours fait kiffer. Après, vaut mieux que le temps de chargement rame. Ah, y a encore un secret ou non? C'est le niveau K ça. Je crois que c'est le niveau K. C'est un secret ou un niveau K, je sais pas. Le boss, le jongleur tapageur. Tchac à tchac. Alors je ne sais pas ce qui est le mieux. Est-ce qu'on fait... En vrai, je pense qu'on va faire le boss. Et puis on reviendra dans les niveaux pour faire les autres niveaux. Comme ça, ça nous fera revisiter les îles. Comme ça, on va pas faire tout le monde 1 et l'oublier. Tout le monde 2 et l'oublier. Tout le monde 3 et l'oublier. On va faire monde 1, 2, 3. Et puis on reviendra dans le monde... on va progresser. Et puis on reviendra dans les mondes les terminer. Ça me paraît bien. Ah ouais, voilà, là on peut tourner. Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong. C'est pas celui que je voulais. Tant pis. Pin, pin, lin, pin. Quoi que. Hop. Faut que je saute à la gueule, hein, de toute façon. Voilà. Pin, pin, lin, pin, lin, pin, lin. J'ai dû prendre Dixie, ça donne des cœurs en plus. Putain. Il y a des pièces bananes, on s'en fout. On aurait eu des cœurs là, on aurait eu 3 cœurs avec Dixie. Paf, paf, pala, paf, paf. Hop. On est côté avec Dixie, tu peux pas faire ça. Ta ta la ta. Et paf. De tout côté, si le boss il est quand même mieux que le premier du niveau du monde 1 de DKCR. Hein. J'avais dit que les boss étaient moins inspirés, mais généralement ils sont quand même en fait. En tout cas, celui-là est plus sympa. Paf. Paf, paf, pala, paf. Ça dégage. Paf. Ça dégage encore. J'adore comme on a le... Ah merde. Merci pour le cœur. Palimpin. Ah mais merde. Aïe. Merde. J'ai perdu Cranky. Cranky revient. Ah merde. Ils sont généreux en cœur, ça, ça fait plaisir. Bon, là, la musique du boss, moyen. Ok. Teinte. Ça, ils ont gardé. Il faudrait en vrai. XY, je sais pas si ça marche. Et de sniquer les doigts. Nouveau titre de BO, nouvelle figurine. Parfait, je vais vous épargner... Ah bah non, il y a probablement une...
pas une cinématique peut-être, mais une petite animation. Non, je crois que c'est juste un canon qui arrive. Oui, c'est ça. Paf. Petite animation quand même. On arrive dans une autre île. Et on veut retourner dans notre île. Le Donkey Kong, vous voyez. On peut changer d'île. Paf. Paf. Mangrove perdu, les Sims automnales. Automnales, pardon. Nous nous arrêtons là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.